Allez, avec moi, un nouveau joueur du côté de Carcassonne, c'est un pilier, c'est Georgi Natarajvili. Georgi, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les supporters de l'USC? Je m'appelle Georgi et donc ces dernières 2 saisons j'ai joué à Pau. La prochaine 2 saisons j'ai joué à Carcassonne, j'ai signé ici 2 saisons et donc j'ai plaisir de venir ici et je vous espère bien passer toutes les saisons. Est-ce qu'on peut un peu connaître votre parcours de joueur de rugby? Vous avez commencé à quel âge et dans quel club vous avez évolué? D'accord, rugby, j'ai commencé à Georgie, club Locomotivi. J'ai commencé c'est 14 ans, mais professionnel rugby, j'ai commencé 22 ans. Quand j'ai fini l'université, j'ai commencé professionnel rugby. Et après 3 ans, je viens en France. Donc, premier club, donc France y arrive, c'est 2010. Premier club est Saint-Junien, Fédéral 1. Et après Fédéral 1, j'ai signé c'est Pro D2, Aurillac. J'ai resté là-bas 3 saisons. Et après 3 saisons, j'ai signé à Pau. Et j'ai resté à Pau 2 saisons. Et après ça, j'ai signé ici. Alors justement, vous connaissez bien le championnat de Pro D2. Quelles sont selon vous les qualités que doit avoir un joueur, un pilier de Pro D2? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Ah, c'est une bonne question. Et, oui, je connais un Pro D2 parce que j'ai déjà joué ces 6 saisons. Et ses qualités, c'est ça, c'est solidarité. C'est patienter, c'est travailler et jouer ensemble, c'est important. Et bien travailler avec coach et avec joueur. Voilà. Et bien sûr, nous parler en mêlée aussi. Oui, c'est premier, c'est pilier, c'est important, c'est mêlée. C'est mêlée, d'abord mêlée. Et après, c'est touche. Après, mais c'est important, c'est mêlée. Pour mieux vous connaître, quel serait votre meilleur souvenir en tant que joueur de rugby professionnel? Excusez-moi, j'ai pas compris. Meilleur souvenir? Meilleur souvenir, c'est, j'ai pas compris la question. Dans la carrière, le meilleur qui reste, ce qui vous reste de meilleur dans votre carrière? En meilleure carrière, j'ai mon carrière juste pas fini. J'étais 31 ans. Je pense que meilleure carrière s'est passée aussi à Carcassonne aussi, parce que j'ai pas jeune aussi, mais pas vieux aussi. Et donc c'est quand j'ai joué à Pau, j'étais champion de France et j'espère juste pas fini comme ça. Et je voulais encore quelque chose. Donc voilà, j'ai encore voulu jouer. Et on va voir. Écoutez, merci beaucoup et très bonne saison donc sous les couleurs de Carcassonne. Merci à vous et j'espère que tout se passe bien et merci à tous. Merci à vous.